Page 121. Lignes 11 et 12. Voilà. Si jamais tu as besoin de ma vie, viens la prendre. La voiture sera là dans un moment. Si jamais tu as besoin de ma vie, viens la prendre. J'espère que tu as tout emballé. Oui, oui. Pourquoi ai-je senti de la tristesse dans cet amour, dans cet appel d'une âme pure? Pourquoi mon cœur s'est-il si douloureusement serré? Si jamais tu as besoin de ma vie, viens. Restons un jour de plus. Restons. Chérie, je cesse d'être tiens ici. Mais il faut te maîtriser. Tu es un peu enivré. Reprends-toi. Toi aussi. Sois lucide. Sois raisonnable et calme. Tu es capable de sacrifice. Sois mon ami. Rends-moi ma liberté. Tu es donc tellement amoureux. Je me sens attiré vers elle. Peut-être est justement ce qui manquait. L'amour d'une petite provinciale. Comme tu te connais mal. Rends-moi ma liberté. Non, je ne suis qu'une femme ordinaire. On n'a pas le droit de me traiter ainsi. Ne me torture pas, Boris. J'ai peur. Tu peux être une femme exceptionnelle. Un amour jeune, charmant, poétique. Qui vous emporte dans un monde de rêves. Lui seul peut vous rendre le bonheur sur terre. Je n'ai jamais connu un tel amour. Quand j'étais jeune, j'étais pressé. Je courais les rédactions, je luttais contre la misère. Et voilà, il est venu. Il m'appelle. Pourquoi le fuir? Tu es fou! Tant pis! Vous vous êtes tous donné le mot pour me torturer aujourd'hui! Elle ne comprend pas. Elle ne veut pas comprendre. Suis-je donc si vieille, si laide, que l'on puisse, sans se gêner, me parler d'autre femme? Oh, tu as perdu l'esprit. Ma beauté, mon divin, tu es la dernière parole de ma vie. Ma joie, ma fierté, ma félicité. Si tu me quittes, ma mineure, je n'y survivrai pas. Je deviendrai folle. Mon merveilleux. Mon souverain. Mon maître. Quelqu'un toi est rentré. Oh, je n'ai pas honte de mon amour pour toi. Qu'on entre. Mon trésor. Ma tête brûlée. Tu veux faire des folies? Moi, je ne veux pas. Je ne te laisserai pas faire. Tu es à moi. À moi, ce front. Ces yeux, ces beaux cheveux soyeux. À moi, tout entier. Tu as tant de talent. Tu es si intelligent. Le meilleur de tous les écrivains vivants. L'unique espoir de la Russie. Tu as tant de sincérité, de fraîcheur, d'humour sain. D'un seul trait, tu peux rendre le caractère d'un être ou d'un paysage. Tes personnages sont vivants. On ne peut te lire sans enthousiasme. Tu crois que je t'encense ?
Regarde-moi des yeux. Ai-je l'air d'une menteuse? Tu sais bien, je suis la seule à savoir t'apprécier. Je te dis la vérité. Mon chéri, ma merveille, tu viendras avec moi, dis. Tu ne m'abandonneras pas. Je n'ai pas de volonté. Je n'ai jamais eu de volonté. Veux les mots, toujours soumis. Comment cela pourrait-il plaire aux femmes? Prends-moi, emmène-moi. Mais ne me quitte pas d'un pas. Maintenant.